Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire découvrir les spécialités niçoises. Nice c'est ma ville donc je connais plein de petits endroits, plein de petites choses à vous faire découvrir. J'ai sélectionné la moitié des spécialités parce qu'en soi il y en a énormément, il y en a beaucoup. Donc c'est des genres de petits snacks et on va commencer, je vous amène avec moi, on va aller au premier endroit, c'est parti. Donc premier arrêt, la Socador. Donc c'est là où ils font les meilleurs socas de Nice. Donc on va aller en prendre une. Et on va prendre aussi une pisse à la dière. Et ensuite je vous raconterai l'histoire de ces deux choses là. C'est parti. Et en fait, c'est une galette de pois chiche cuite au feu de bois. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de la soca. En gros, c'est un plat qui apparaît pendant Napoléon, vers là, parce qu'en fait, il y avait des ouvriers d'Italie qui venaient en France pour travailler. Et c'était un peu le repas des pauvres avant de partir pêcher, par exemple, tu vois. Et du coup, c'était le plat rapide, pas cher. Et très bon, qui rassasie un peu tout le monde. Et du coup, ça restait dans la cuisine traditionnelle niçoise. Moi, je sais que la soca, c'est l'une de mes bases. Mais en gros, quand j'allais au marché avec ma mère le samedi matin, ou bref, à Menton, j'allais toujours chez Mimi. D'ailleurs, si vous allez à Menton, derrière le marché, vous avez chez Mimi. Et elles sont super bonnes, les socas là-bas. Je prenais aussi des barbadjouan. Ça, c'est une spécialité mentonnaise, pour le coup. Et donc du coup voilà, c'est toujours resté dans mes bases, la soca. On peut la manger avec du sel en plus ou du poivre. Moi j'aime pas trop le poivre donc j'en prends pas du tout. Mais voilà. Donc là on passe à la pisse à la dière. Pareil, la pisse à la dière, on en trouve partout. Dans toutes les boulangeries de Nice vous pouvez en trouver. En soi c'est une pâte à pizza. Une pâte à pain en fait, ouais, une pâte à pain avec des oignons confits par-dessus et on peut la choisir avec ou sans anchois. Anchois. La traditionnelle, elle est vraiment avec anchois. En gros, ça doit son nom à la pâte à anchois qui s'appelle pistala. Et en issard, ça se dit pas pissaladiero et donc en français, pissaladière. Ça aussi d'ailleurs, c'est vraiment un casse-croûte. Un snack qu'on peut manger en apéro comme la soca, hein. Et chaud ou froid. Pour ce qui est de l'histoire de la pisse à la dière, c'est un peu similaire à la soca. En fait, c'est à l'époque, c'était au combien ils disaient ? Au 15e siècle, c'est des travailleurs génois qui sont venus en France travailler et qui ont apporté en fait une culture en plus de leur pizza, etc. Donc dedans vous avez donc du pain, de l'huile bien sûr, la salade des tomates, du radis, du thon ou des anchois, non du thon, des poivrons, des oignons, et du sel et du poivre. Et des œufs, je crois qu'il y a un œuf aussi à l'intérieur. Qu'on soit d'accord, on ne met pas de mayo dans un pain bagna. C'est pour ça que ça s'appelle pain bagna d'ailleurs en fait, parce que pain bagna c'est pain mouillé. Voilà. Et c'est mouillé de quoi? C'est pas mouillé de maillot, les gars. Non. C'est mouillé d'huile. Voilà. Non, parce que je vous raconte ça, parce que quand je suis partie au Mans y vivre pour faire mes études, je suis allée dans une boulangerie et j'ai pris quoi? On m'a proposé un pain bagna. J'ai pris un pain bagna. J'ai dit, ah, cool et tout, ça va me rappeler mes origines. Tu vois, ma fierté, tu vois. Putain, ils m'ont mis de la maillot. Ça s'appelle un club, en fait. C'est pas un pain bagna. Voilà. C'est un peu le pain du pauvre. Parce qu'en fait, on revient avant, les pêcheurs quand ils partaient pêcher, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient du pain dur qu'ils avaient chez eux, parce qu'ils n'avaient pas non plus de sous pour s'acheter des baguettes. Donc ils prenaient du pain dur et ils le mouillaient en fait, vraiment, soit d'eau, soit de jus de tomate. Et ils prenaient les crudités qu'ils avaient dans leur jardin, peu importe ce que c'était, et ils les mettaient dans un pain et c'est devenu
petit à petit, le pain bagna et le mamania a pris vraiment tous les légumes qu'il y a par exemple dans une salade niçoise. Pareil, ça c'est un peu comme la soca et la pissaladière, on en trouve de partout à Nice. Dans toutes les boulangeries, vous pourrez trouver un pain bagna. Mais vraiment les meilleurs, c'est la Grata où je suis allée et il y a aussi chez Tintin qui se trouve à Nice. Voilà. Je vous mettrai les deux adresses, comme ça vous pouvez choisir. On va aller faire un dernier stop pour chercher la dernière chose qui manque pour ces spécialités en casse-croûte. Juste avant de partir, quand vous avez fini de manger un pain bagna, vous regardez tout le temps les joues. Hein, parce qu'un pain bagna, c'est tellement gros que ça va là. Okay. Donc regardez-vous bien les joues pour savoir si vous n'avez pas d'huile ou du thon qui vous reste. Okay. Je vous le dis. C'est trop beau. J'adore venir ici. Parce que c'est super joli à chaque fois. Rentrer à la maison. Je suis allée à la table Aldiari, mais elle s'était pas ouvert. En fait, je pensais que c'était ouvert. C'était marqué sur le site internet que c'était ouvert les lundis. Et finalement, non, c'était pas ouvert. Donc, bref, c'est pas grave. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais les faire moi-même. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'en fais beaucoup des fleurs de courgettes. Là, en plus, on est en pleine saison des courgettes et tout. Il y a beaucoup de courgettes à fleurs. Donc, en plus, c'est hyper simple. En soi, vous avez juste à prendre la fleur de la courgette, la couper et en fait préparer la pâte à beignets et faire frire en fait la fleur dans la pâte à beignets. Et c'est super simple, on rajoute un peu de sel par-dessus et c'est tout. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire au beignet de courgette. Attends, ils disent quoi? En fait, ils disent juste que de base, la pâte à beignets, elle est très utilisée au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et quand ils l'ont adaptée à la cuisine méditerranéenne, ils ont mis du coup de la fleur de courge parce que c'est un légume qui peut-être, je pense, était de la saison. Et donc du coup, ils l'ont adapté en beignet de fleurs de courgette. Si vous allez au restaurant à la table Aldiari, n'hésitez pas à goûter vraiment ces beignets de fleurs de courgette parce qu'ils sont super, 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 super bons. Mais les miens, là, ils sont un peu raplaplou. Parce que normalement, la fleur de courgette, je vais vous montrer une photo de la courgette à fleurs et du coup de la fleur de courgette qui est au-dessus. Et les miens, là, en fait, je les avais congelés pour pouvoir les utiliser un autre jour. Et donc là, je les ai décongelés. Mais ils sont un peu raplaplou, hein, je vous avouerai. Donc là, je les ai mis à sécher parce qu'ils avaient vachement pris l'eau. Vous voyez, normalement ils se tiennent vraiment je vais vous montrer une photo juste ici. Ils se tiennent vraiment bien, donc on verra bien. Bon ça va finalement, mes beignets ils sont pas trop trop mal. Je pensais qu'ils allaient vraiment être pires que ça. Mais voilà, en gros ça ressemble à ça. Et c'est vraiment super simple. Hein. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi si du coup vous voulez un volume 2 avec d'autres spécialités niçoises, parce que oui, il y en a encore. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous !